Hey, salut tout le monde, c'est quoi mon gars, c'est bienvenue sur Pro Cycling Manager 2016 pour la carrière suivie Team Arkham Pro Vodka Russia. Nous sommes le 17 février 2016 et aujourd'hui ce sera la Ruta del Sol. 6 étapes à jouer. Enfin, vous n'en verrez que 5, hein, mais bon. Alors, du sprint, du chrono que vous ne verrez pas justement, du vallon sympatoche, de la montagne, ouais, elle a pas l'air mal du tout. Du vallon avec une arrivée en côte, une belle côte apparemment, et enfin un sprint qui finit avec une légère petite bosse. Donc un programme alléchant sur cette Ruta del Sol. On va y aller tout de suite d'ailleurs. Mon équipe, Thomas Bouda, Emmanuel Bachmann, Ruben Fernandez, Silvio Herkels, Stephen King, Pierre Latour, Dylan Teuns, voilà. Et on va mettre un petit médecin parce que c'est toujours bon de mettre un petit médecin. Alors, voyons voir qui sera présent par exemple. Il y a Viviani, Swift, Coca. Ok, donc là il n'y a personne. Quintana, Valverde, Moreno, Katoski, Landa. Ok, d'accord. Oui, il y a du lourd. Van Embrouck, Van Garderen, pardon, excusez-moi. Roland, Kreuzweig, Kelderman, Kreising, Contador, Kreuziger, oulala, Rodriguez, Czerniski. Pouh, Van Embrouck là d'ailleurs. Ok, bon, et en fait il y a du très 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 lourd sur le droit de la sol. Eh ben c'est parti, écoutez, la route del sol, let's go, rendez-vous tout de suite pour le final de cette première étape. À tout de suite. Les 18 derniers kilomètres de cette première étape, et vous le voyez, mon équipe souffre. Ah oui, là, l'équipe souffre totalement. On ne fera même pas le sprint, on voit que Bouda, là, malheureusement, n'a pas du tout les jambes pour faire le sprint. Donc, bah tant pis, pas de sprint pour Bouda, écoutez, ce n'est pas grave. On va rester tranquillement dans le peloton, hein. On va éviter les cassures au plus, donc on se concentre. On voit que Bachmann est champion d'Allemagne, ça fait plaisir. L'échappée, 1 minute 25 d'avance à 11 km de l'arrivée avec Armendia, Agnolovski, Mürberg, Sick et Stevenson. Alors que là, voilà une petite montée. L'Osada qui roule, la Katusha. Là, faut juste rester concentré là pour pas se faire lâcher quoi, pour pas se casser, prendre de cassure comme je l'ai dit. Ça devrait bien se passer je pense. Alors que ça ne roule plus là, c'est le coup là, c'est assez étonnant quand même. Hein. Ça ne roule plus. Ah si, c'est bon, c'est reparti. L'échappée n'est maintenant qu'à plus que... Ah encore 1 minute 20. Cette bande de l'arrivée, ça peut le faire pour l'échapper. Ça peut peut-être le faire. On ne sait jamais. Ça peut le faire. Stephen King. Alors qu'on voit que les décors sont un tout petit peu buggés hein, sur cette course. Enfin voilà, on se croit dans le désert ou dans, je sais pas, c'est bizarre. Mais bon. Allez, 5 km de l'arrivée. On va prendre le gel pour tout le monde. Et on va pas sprinter, hein. On va attendre un tout petit peu, mais après on va se relever tranquillement. Oui, ça roule fort. Plus qu'un homme devant. Armendia. Voilà. On va finir tranquillou, hein. On va pas se stresser non plus, voilà, 5 km. C'est bon là, on peut y aller tranquille. Voilà, on récupère tranquillement. Et c'est la victoire devant pour Elia Viviani. Voilà, nous on finit tranquille, hein, voilà. Allez, Forker 160, peinard, on se repose. Il n'y avait rien à jouer de toute façon là avec le moins 1 de Bouda, c'est l'autre sprinter hein, tout de même, donc voilà. Brian Cocquart 4ème hein, tout de même, pas mal. Et Romain Sicard 20ème. Ok. Navradoskas 9ème, pas mal pour lui aussi, le lituanien. Ça fera plaisir à Yonevias peut-être, je ne sais pas. Victoire pour la Sky, en tout cas. Allez, on va directement au résultat. Oui, bon, c'est une étape pas très passionnante pour moi, hein, voilà. Je préférais ne rien jouer, je préférais garder mes forces pour la suite. En général, donc, Vianney qui prend le maillot. Rendez-vous tout de suite pour la prochaine étape. Pas celle-ci, je vous l'ai dit, non. Pour celle-ci, voilà, du vallon avec une petite bosse là de troisième catégorie, une descente et du plat. Sur ce, c'est parti, à tout de suite. Nous sommes à 28 km de l'arrivée sur cette troisième étape. La tour 38ème, 23 secondes, protégée par Kung qui a plus 4, hein, le bougre, bien joué hein, Stéphane. Qui est 15ème à 16 secondes, oui, vous allez dire, mais non, mais quoi, mais c'est normal, la tour, il y a la montagne après, hein, donc c'est normal, c'est la tour, le leader. Protégé avec un plus 4, ça fait du bien.
La petite bosse, eh ben, je vais tenter quelque chose, bien entendu. Alors, soit avec Kung, soit avec Latour, je ne sais pas encore, par contre. Ce sera peut-être avec Kung, hein. Ouais, je pense que je tente un petit quelque chose avec Kung quand même. Parce que là, on roule hein, pour revenir sur l'échappée. Une 56 avance maintenant. 8 coureurs à l'avant. Vous voyez leur nom, hein. Vous mettez pause si vous voulez voir leur nom. Allez, 23 km. 1 km d'écart. 1 km nous sépare, ouais. Un peu plus. 1 km 2 nous sépare à peu près. Ouais, 1 km 2. Les Sky, la Tinkoff, la Katusha et la Team Arkham Pro roulent ensemble. La Russie au pouvoir. Ah oui, Tinkoff, Katusha et Vodka, trois équipes russes qui roulent. Et la Sky, voilà. C'est parti, voilà. La Tinkoff. Qui fait un gros tempo. La Tunz a du mal à suivre aussi. Le circuit. Ah, c'est l'ancien, d'accord. Le circuit. Ah, c'est marrant ça. On finit là. L'arrivée est ici. On dirait pas quand on voit le profil pourtant. Ah, d'accord. Ok, pourquoi pas. Écoutez. Allez, c'est parti pour Dylan Tuns qui roule. Mais pas assez fort. La Sky qui veut absolument faire mal. On va mettre tous nos gars en effort curseur. C'est bientôt la montée. On va commencer à se placer avec Pierre. Voilà, on se place bien. Alors, est-ce que Kung va attaquer ou pas? Je ne sais pas honnêtement pour l'instant ce que je vais faire. Je ne sais pas encore. Est-ce que je vais monter au train avec la tour et envoyer Kung après? Je ne sais pas encore. Il serait peut-être temps que je me décide hein, vu que c'est bientôt la montée, mais je ne sais pas. Écoutez, voilà, je me tâte, je me tâte. Le plus 4 de Kung, forcément, me plaît beaucoup là, c'est évident. Alors que là, on se fait un petit peu bloqué par un Katusha. Là, on est passé, c'est bon. Allez, la montée. Allez, on est parti. On évite le bloc. Bien joué, ça. Alors, on se place bien. Allez, Pierre et la tour qui est partie avec Stephen Kung. Ou Kung, je ne sais jamais comment on le dit, mais on s'en fout. Un fidèle, hein, il était déjà là dans ma première saison, rappelez-vous. Un fidèle lieutenant de la Team Katusha, Team Katusha, de Team Arkham Pro, pardon. Allez, attaque de la tour. Et là, on roule plus, bien sûr. Alors, on va mettre le gel pour Pierre. Hop. On roule à 86. C'est une descente, hein, là, jusqu'en bas. Allez, allez, allez. 29 secondes d'avance. Pierre Latour. D'ailleurs, Kung aussi va mettre son gel. Ah, c'est compliqué, il faut gérer les deux phases. Hein. Et oui, oula, la vitesse de Latour. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça devrait le faire pour Pierre Latour. Ça devrait le faire. 30 secondes d'avance maintenant. On est à gauche là. Et c'est parti pour le sprint. On lance le sprint avec Pierre Latour. Kung aussi va sprinter. Victoire de Pierre Latour! Yeah! Ah, Kung qui craque, dommage. Kreuziger, Rodriguez, Kwiatkowski, Navaskas, Molnar, Moreno, Quintana, Roland, Swift, Valverde, Landa, Kung, Navarro, Contador, Betancourt, Tchaneski, Coquard, Kelderman et Van Gelderen. Nouvelle victoire pour Pierre Latour. Yes! Ça fait plaisir! Belle victoire de Pierre Latour. Ah ouais, ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait du bien. Là, on a battu des gros 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 coureurs en plus, hein, tout de même. Bon début de saison pour Pierre Latour. Deuxième victoire personnelle pour lui. Personnelle pour lui, c'est logique. Hein. Au général, cela donne donc Pierre Latour leader avec 6h59 minutes tout pile. Tcherneski à 18 secondes, Kreuziger à 28 secondes. Ok, bah tout va bien pour l'instant. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. On va quand même vérifier quelque chose. Oui, je suis en difficile. Hein, oui. Non, mais je vérifie quand même parce qu'on ne sait jamais. Sur ce, on se retrouve pour la troisième étape. La quatrième étape, pardon, excusez-moi. L'étape de montagne. 153 km au programme. Je vous dis à tout de suite. 20 km de l'arrivée sur cette quatrième étape de la Ruta del Sol. La Team Arkham Pro qui roule, qui roule, qui roule. Bah oui, un petit peu comme d'habitude, j'ai envie de dire. Pierre Latour, plus 3, protégé par Dylan Teuns, plus 2. 6
C'est pas mal du tout. J'aurais peut-être même pu le protéger avec Buckman, mais Buckman. Ouais non, je préfère te protéger par quelqu'un qui a de l'endurance, tout ça pour après. Sauf qu'on va commencer la montée, voilà. Bon, bah du coup, les gars, débrouillez-vous, faites ce que vous pouvez. Nous on va monter hein, tranquillement bien sûr pour l'instant, hein, on va pas faire un gros gros effort, ça ne sert à rien. Mais bon, il reste quand même que 15 bornes à gravir, donc 15 km à parcourir plutôt. Du coup, vous allez monter même à 75, hein, ça suffira. Allez, même 73. Allez, c'est parti maintenant. Les 15 km, après il y a un léger replat, vous le voyez, une petite descente, hein, juste après cette petite bosse. Et ensuite, il y aura la montée finale, c'est pour ça qu'on va pas trop trop se crever maintenant. D'ailleurs, ça sert à rien que je monte comme ça au final, là, pour l'instant, ça sert absolument à rien. En plus, la Dylan est en train de se crever pour rien, donc. Je me demande si je devrais pas le protéger par quelqu'un d'autre en fait là. Ouais. Alors que ça attaque. Ouais, on va plutôt faire comme ça au final. Ça attaque, mais ça roule un peloton donc c'est bon, il n'y a pas de problème. Heureusement, car j'avais pas pu réagir vu que je suis en train de régler mon équipe. Buckman, du coup, qui va protéger. Ouais, qui va protéger Pierre Latour. La fameuse descente dont je parlais. Et après, par contre, voilà. On a 10 derniers kilomètres et après, c'est la montée finale qui est violente, hein, vous le voyez. Grosse, grosse, grosse montée. On se repose un petit peu. Et puis là, faut se placer bien comme il faut. Allez, mon petit Latour, voilà, passe-toi bien. Pas se faire bloquer. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est bon. Oula, Buckman qui a du mal à suivre, va topi Buckman, non, 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 c'est pas grave. Allez, tout le monde va aller au curseur. Et c'est parti pour la montée finale, alors que ça attaque direct. Kelderman, Joaquim Rodriguez, Koenig surtout, sûrement. Pierre Roland, Katoski, ah, ça attaque direct, là, dès les premiers hectomètres de cette montée. Mais c'est bon, le plus 3 est là, pourquoi? Pourquoi? Pour Pierre Latour. On gère 75, c'est parfait. Valverde est là aussi, on le voit, le champion d'Espagne qui remonte. Gros effort pour remonter d'ailleurs. Pardon. On augmente un tout petit peu l'effort régulièrement, comme d'habitude. Hein. On gère comme d'hab au final. Encore 4 km, du pur monté, hein. C'est du lourd. La Sky et la Movistar sont présents, mais la tour est là pour l'instant. La tour tient bon. On va pas tarder à mettre le gel, 3 km 4. On va attendre encore un tout petit peu. On va mettre le gel maintenant. Et là, il faut accélérer maintenant, Pierre. Là, c'est les derniers hectomètres, il faut accélérer. Ah, j'ai plus beaucoup d'énergie par contre, hein. Mais c'est dur, hein. Là, face à Valverde et Enco. Donc quand même 85 de montagne certains, donc bon, voilà quoi. 85 montagnes. Malgré mon plus 3, malheureusement, ça ne suffira pas. Et voilà, ça attaque dans tous les sens. Allez Pierre, accroche-toi. Tu peux faire un bon petit truc quand même là. Je ne sprinte pas, hein. J'attends, voilà, je ne peux pas sprinter de toute façon. Ça va me sprinter. Victoire d'Alberto Contador, 84 montagnes, 85 pour Quintana, 79 pour Rodriguez, la tour 4ème. On bat Kelderman tout de même, hein, voilà là, bien, 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 très, très bien. On bat Landa, Kreuzweig, Roland. Les Espagnols sont au rendez-vous chez eux hein, en même temps. Faut pas oublier ça, il y a le bonus Nacio hein, pour Kim Rodriguez et Contador. 4ème la tour, bien joué Pierre. Ah, je pouvais pas faire mieux, de toute façon là, et encore j'avais plus 3, imaginez sans le plus 3. Je ne pouvais pas espérer mieux face à des gars qui ont 84-85 montagnes. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Quatrième. Pierre Roland, 8ème. Sander Armé, 18ème, pas mal. Bettencourt décevant. Les Tchèques sont là. 14 et 15ème. König Kreuziger. Kreuzweig, 7ème. Kadaman, 5ème. Bien joué. Victoire d'Alberto Contador.
On va attendre l'arrivée là de Pierre Latour. Qui va perdre son maillot rouge, bien sûr, de leader. Mais j'aurais celui de meilleur grimpeur peut-être, car j'ai pris des points tout à l'heure. Allez, ça donne quoi? Donc le général. Deuxième pour 11 petites secondes. Je suis maillot, donc leader par point. Leader par montagne. Meilleur jeune. Et la meilleure équipe dans 5e. Oh, les Russes qui suivent, 5, 6, 7. Ok, rendez-vous maintenant pour. Eh bien écoutez, la dernière étape. Non, c'est l'avant-dernière quoi, mais c'est un sprint à la fin. Une étape de vallon, 200 km avec une arrivée au sommet. Je vous dis à tout de suite. Il reste 18 km sur cette avant-dernière étape de la Ruta del Sol. Ça roule fort, ça roule très 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 fort. La Katusha notamment qui a roulé toute l'étape quasiment. Ça rappelle des souvenirs, bah oui, la Katusha qui roule, bah voilà. Ils appliquent les consignes de quoi au final, hein, voilà. Allez, 15 bornes, l'échappée bientôt repris. Pierre Latour n'est pas la plus 1, certes, mais voilà, c'est un petit plus 1. Des fois, il y a des bons plus 1, et là, c'est un petit plus 1, je trouve. Et la Katusha roule fort, hein, surtout. Et Kung a du mal à gérer. Kung a du mal à suivre. Attends, je suis un petit peu bloqué là. Ah, tiens, allez-y, mais bougez pas quand je bouge aussi, là. Arrêtez de me bloquer, les gars, là. Oh là là, pas bon, pas bon, pas bon, tout ça, pas bon d'être bloqué ici. Eh oui, hein, c'est bientôt la montée finale déjà, hein, donc il faut se replacer, petit Latour, là, Pierre. Faut arrêter de te faire bloquer déjà. Putain. Allez, vas-y. On m'a Kung, hein, merci. Tu m'aurais aidé, comme d'hab. Et Pierre va devoir se mettre tout seul alors qu'on voit que voilà, sa barre diminue très 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 fort alors que ça roule super fort là. On va ralentir un tout petit peu. Bientôt la montée finale, hein, plus que 7 km à parcourir déjà. Pardon. Allez, on se repasse à l'avant là du groupe, bien joué. Et c'est parti. Les 5 derniers kilomètres et la montée finale. Allez les Pierres. Ah oui, ils ont voulu rouler fort toute l'étape, les Katusha. Bon, on va voir si Joaquim Rodriguez est en forme ou pas. Allez. Là, on va arrêter de rouler rapidement jusqu'à cette petite descente, là, histoire de récupérer un tout petit peu. Et c'est parti, la montée finale. Allez, Pierre. On croit en toi, nous croyons en toi. Pas mal, on suit en tout cas pour l'instant là. Attends, je vois rien que les feuilles. On reste dans le groupe pour l'instant. On se décale pour pas se faire bloquer. Ah, ça va être compliqué. Ouais, c'est compliqué quand même là. C'est compliqué. Joaquim Neguez a l'air super en forme devant. Il a fait rouler son équipe toute la journée. Et pas pour rien apparemment. Allez, Joaquim. Ah oui, bah écoutez, on encourage Joaquim quand même. Hein. Bien sûr qu'on encourage Joaquim. Ils sont tous au sprint là les gars, sauf moi. Moi je suis à l'arrache, en même temps là je suis presque mort. On va perdre du temps là, et du coup même le classement général, là 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 là, là oui là, ils sont quand même nombreux devant, hein, donc ils sont 9-10 devant. Victoire pour Joaquim Rodriguez, yes! Bien joué Joaquim. Pierre Roland, Valverde, Quintana, et puis bah voilà, la tour qui va finir 11e. Ah, c'est dur pour Pierre là, j'avoue que voilà, on découvre un peu les courses là au World Tour avec Pierre Latour. Et c'est compliqué, on va perdre pas loin de 2 minutes hein, à peu près. Ouais, on voit rien avec avec ce marqué étape là, on voit rien. 12e de l'étape, Pierre Latour. Pierre Roland, bien joué, hein, 2e de l'étape, bien joué. Les Espagnols en force, bien sûr, ils sont chez eux, hein, je vous l'ai déjà dit. Sander Armé qui fait 15e, bien joué. Van Aert 19e, Ben Swift 17e, Sicard 16e, pas mal. 3 Français dans les 20 tout de même, c'est bien. Et c'est compliqué, hein. Ouais, c'est compliqué. J'avoue que là, c'est pas évident du tout, hein. Mais bon, c'est intéressant aussi, justement, c'est de progresser et d'en chier, hein. Ça fait plaisir d'en chier un petit peu aussi. Victoire de Joaquim Rodriguez, ça fait plaisir. Pour Ito en pleine forme. Il a fait rouler la Katusha très fort toute la journée.
Le plus 5 devait être là, à mon avis. Ce qui donne donc au classement général, Joaquim Rodriguez leader, Quintana 7 secondes deuxième, ah puis un tour cinquième toujours, à 1,25, 1,29 pardon, par points, c'est Joaquim Rodriguez qui prend le maillot, grimpeur on l'a toujours, nous sommes toujours meilleurs jeunes bien sûr, pour 7 secondes seulement par contre, et c'est la Movistar qui domine par équipe. Voilà, et bien sur ce, rendez-vous tout de suite pour la 7ème et dernière étape, la 6ème, j'ai du mal aujourd'hui, hein. Pour la 6ème et dernière étape de cette Ruta del Sol, c'est un sprint, on se retrouve pour les 18 derniers kilomètres, je vous dis à tout de suite. Il reste moins de 18 kilomètres, oui, il reste même 17 kilomètres sur cette dernière étape de la Ruta del Sol. Qu'est-ce qu'on peut espérer là? Eh bien, écoutez, on va voir, hein, un sprint, alors que mes mégas ne me suivent pas apparemment, que font-ils? Où est mon équipe? Ah ça y est, on voit un, Tunes. Ok, oui, bah les autres sont où? Bah ouais, bah les gars, maniez-vous le fion là, putain! T'es sérieux, mais ils sont où là? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Putain, trois plombs pour rejoindre. Ils vont se crever déjà avant de me rejoindre, ils vont te crever quoi. C'est n'importe quoi. Enfin bref. Allez, maintenant on va rouler. Tout le monde n'est pas forcément arrivé encore dans les roues. Ça y est, bah dis donc, putain, trois plombs pour revenir quoi. Trois plombs pour nous rejoindre. Allez, hop là, le Movistar, arrête de me casser des burnes. Merci. Allez, c'est parti. On roule fort avec Aircots. Ensuite, sera autour de Dylan Tunes. Alors que... Ouais. C'est parti pour Dylan Tunes. Un peu le bordel là. Avec King qui emmène. Oulala, 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 le virage, on passe, on passe, on passe, on passe. Faut suivre derrière, faut suivre, bordel de merde. Bon bah tout mon sprint, hein, du coup là c'était n'importe quoi, tout le monde est bloqué. Allez Bouddha, allez Bouddha, allez Bouddha, allez Bouddha. Allez, 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 allez. Non, dommage. On aurait pu y croire, mais non. Victoire pour Lobato, Coccar, Vivini, Czerniski, Leihart, Katoski, Rodriguez, Crader, Ronsayel, Bouddha 10e, Latour 12e, Hansen, Fernandez, Contador. Czerniski qui fait 4e quand même. Hein. Czerniski fait 4ème avec... Ah ouais, c'est vrai qu'il a une bonne accélération, j'avais oublié. Ouais. 69 sprints quand même, Czerniski, c'est vrai. Eh bien, bravo. Aucun changement au classement général, bien sûr. Tout le monde a fini ensemble. Donc, Pierre Latour devrait finir 5ème ce tour. D'Andalusi. La Ruta del Sol. Bien joué, le bateau. Bien joué à lui. Le bateau impose sa puissance, tout à fait. Et donc le classement général, le voici, le voilà. Joaquim Rodriguez remporte la Ruta del Sol. Bravo Joaquim, bravo pour Eto. Devant Quintana, Contador, Roland, Latour, 5ème, Kelderman, Landa, Kruijswijk, Valverde, Moreno. Et voilà, le classement par points. Rodriguez qui remporte le classement. Meilleur grimpeur, Pierre Latour. Meilleur jeune, Pierre Latour. Et par équipe, la Movistar. Voilà. C'est la fin de la Ruta del Sol. Rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures. Nous retrouverons, je ne sais pas où. Hein. Ce sera une classique, hein, je pense. Peut-être les Strade Bianche, par exemple. Donc, une seule course. Alors, certains ont râlé hein, la dernière fois. Mais bon, c'est comme ça. C'est mon format. C'est comme ça. Comme là, il y a eu 5 étapes sur aujourd'hui. Ça se passe comme ça. Et c'est mon format. Et puis voilà. Bref! Sur ce, rendez-vous bientôt pour de nouvelles aventures sur la carrière suivie. Team Arkham Pro, Vodka, Vodka Russia. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao tout le monde. Bye bye.